واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Salam alaikum, chers parents, bonjour, chers élèves. Nous voilà réunis de nouveau pour une nouvelle séance de grammaire 2. Bien, les élèves, vous allez prendre votre livre de français ainsi que vos cahiers de grammaire et votre cahier d'essai. Vous allez prendre le livre de français, la page 180. Je répète, prenez votre livre de français, la page 180. Bien. Le titre de la leçon d'aujourd'hui que nous allons étudier est le complément circonstanciel de lieu. Je répète, le titre de la leçon d'aujourd'hui est le complément circonstanciel de lieu. Avant d'entamer d'abord la leçon du jour, nous allons commencer par un petit rappel. Alors, les élèves, je vous laisse lire silencieusement ces deux phrases. Alors, je lis à haute voix maintenant. Souligne le mot qui indique le lieu. C'est la consigne qui vous est demandée. Souligne le mot qui indique le lieu. Vous avez deux phrases. Première phrase, les livres est sur la table. Je répète, les livres est sur la table. Deuxième phrase, Mander est assise à côté de sa copine. Je répète, Mander est assise à côté de sa copine. Bien, les élèves, vous allez prendre votre cahier d'essai maintenant, vous allez me recopier ces deux phrases et vous allez souligner le mot qui indique le lieu. Allez, je vous laisse un moment de travail. Très bien. Bien, on passe à la correction maintenant. Alors, voici les réponses que vous avez données. Vous avez souligné dans la première phrase « sur ». Dans la deuxième phrase « à côté ». Je répète, dans la première phrase, vous avez souligné le mot « sur ». Dans la deuxième phrase, le mot « à côté ». Très bien. Les élèves, que signifient ces mots-là? Que veut dire ce mot-là, « souligner » ? Oui, c'est deux mots qui indiquent le lieu. Très bien. À quoi servent-ils ces mots-là? Ce sont deux mots qui nous précisent le lieu. Très bien. Alors, le livre est sur la table. Ça donne une précision très claire que le livre est sur la table. Sur la deuxième phrase, Mander est assise à côté. À côté, ça veut dire que Mander est assise à côté de sa copine. Très bien, ça, ce qu'on appelle des adverbes de lieu. Ils nous précisent l'emplacement exact de la personne ou de la chose. Bien, prenez la correction pour les élèves qui ont fait des erreurs. Très bien. Maintenant, les élèves, prenez votre livre de français, la page 180.
et je vous laisse découvrir les deux phrases que vous avez dans votre livre. Observez bien, lisez silencieusement. Bien, alors, je vais lire à haute voix maintenant. Première phrase, Ahmed et Ali sont à l'école. Attention, vous avez deux mots soulignés. Ahmed et Ali sont à l'école. Ils jouent dans la cour. Ils jouent dans la cour. Alors, vous avez dans la première phrase, le mot souligné, le groupe de mots soulignés, c'est « à l'école ». Pour la deuxième phrase, c'est « dans la cour ». Attention, je vais lire maintenant la consigne. Lis la phrase 1, observe le groupe de mots soulignés. Je répète bien, le groupe de mots, ce sont « à l'école », « dans la cour ». Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ? Complète avec ce groupe de mots soulignés dans la phrase 2. Je répète, complète le groupe de mots soulignés qui sont à l'école, dans la cour, dans la phrase 2. Alors, je vous laisse un moment de travail. Vous allez travailler sur votre cahier de grammaire, bien sûr. Travaillez individuellement. Alors, les élèves, on va passer à la correction maintenant. Très bien. Alors, voilà la phrase 2, la correction que vous m'avez donnée. Mariam et Bouchra sont à l'école. Très bien. Elles jouent dans la cour. Alors, vous avez complété les premiers mots, le groupe de mots qui était dans la phrase 1, dans la phrase 2. C'est très bien. Maintenant, Mariam et Bouchra, où sont-elles? Oui. Très bien, elles sont à l'école. Donc ça, c'est un groupe de mots. Très bien. Maintenant, où jouent-elles Mariam et Bouchra? Dans la cour. Très bien. Alors les enfants, qu'est-ce qu'elles précisent? Qu'elles précisent ce mot-là exactement? Dans la cour. Oui, elles nous précisent l'endroit où Mariam et Bouchra jouent. Très bien. Alors, l'endroit, c'est dans la cour. Et où sont-elles? C'est à l'école. Qui peut me rappeler la question? Comment on va poser la question pour trouver ce groupe de mots-là? Oui. Alors, très fort. Mariam et Bouchra sont où? Très bien, répète. Mariam et Bouchra sont où? La réponse va être à l'école. Très bien. Donc, cette réponse est quoi? Oui, un complément circonstanciel de lieu. Très bien, on répète. Ce groupe de mots-là, c'est quoi? C'est un complément circonstanciel de lieu. Très bien. Maintenant, on va passer à la synthèse qui se trouve dans votre livre. Alors, je lis à haute voix. Le complément circonstanciel de lieu, CCL, précise le lieu. On avait dit qu'il indique exactement le lieu où se passe l'action. Je répète, le complément circonstanciel de lieu, CCL, précise le lieu où se passe l'action. Il répond aux questions où, d'où ou par où. On a l'embarras du choix pour ces trois questions. Il faut poser soit où, soit d'où, soit par où. Alors, exemple, Ahmed est dans la maison. Je répète, Ahmed est dans la maison. Alors, qui va me poser la question? Où est Ahmed? Très bien. Donc, ces mots soulignés, ce groupe de mots-là est un complément circonstanciel de lieu. Je répète, le CCL veut dire complément circonstanciel de lieu. Je peux reformuler ma question d'une autre manière et dire « Ahmed est où ?» C'est correct aussi. Dans la maison. Alors, les élèves, prenez votre cahier de grammaire, vous recopiez la synthèse.
Bien, alors, toujours sur votre cahier de grammaire, on va faire l'activité qui se trouve dans votre livre, toujours à la page 180, l'exercice numéro A. Est-ce que tout le monde a les livres? Vous voyez l'exercice numéro A? Bien, alors, je veux lire la consigne à haute voix, tout le monde m'écoute. Récopie ce phrase et souligne le complément circonstanciel de lieu. Récopie ces phrases et souligne le complément circonstanciel de lieu. Vous avez ces phrases-là, vous devez le recopier et souligner le complément circonstanciel de lieu. Allez, je vous donne quelques minutes, les élèves, travaillez individuellement. Alors, on passe à la correction. Les parents attendent leurs enfants devant l'école. Le complément circonstanciel de lieu, devant l'école. Alors, quelle est la question qu'on va poser? Les parents attendent leurs enfants où? Devant l'école. Les mots qui sont soulignés en rouge, c'est le complément circonstanciel de lieu. Les élèves entrent dans la classe et se mettent au travail. Le complément circonstanciel, c'est « dans la classe ». Les mariés s'assoient sur des chaises confortables. Le complément circonstanciel, c'est « sur des chaises ».
Le maître se met devant le tableau et écrit la leçon du jour. Le complément circonstanciel de lieu, c'est devant le tableau. Prenez la correction, les élèves. Bien, alors, les élèves, qu'est-ce que vous avez retenu de la leçon du jour? Oui, on a vu le complément circonstanciel de lieu. Très bien. Alors, à quoi sert un complément circonstanciel de lieu? Il sert à préciser le lieu. Très bien. Quelles sont les questions qu'on peut poser pour trouver le complément circonstanciel de lieu? Oui, très fort. Où? D'où? Par où? Très bien. Qui va me répéter ça? Oui. Où? D'où? Par où? Très bien. Alors, maintenant, on va passer à une activité d'intégration. Vous allez reprendre votre cahier de grammaire. Je vous laisse lire silencieusement l'activité. Alors, je lis à haute voix. Relis les groupes de mots qui vont ensemble. Je répète. Relis les groupes de mots qui vont ensemble. La maîtresse est, les joueurs sont, la voiture est, le maçon est. Devant le garage, sur le mur, dans la classe, sur le terrain. Vous allez relier chaque groupe de mots qui vont ensemble. Allez, je vous laisse un petit temps pour faire ce travail-là. Thank you.
les élèves, on va passer maintenant à la correction. Alors, la maîtresse est dans la classe. La maîtresse est où? Dans la classe. Les joueurs sont sur le terrain. Où sont les joueurs? Sur le terrain. La voiture est devant le garage. Où est la voiture? Devant le garage. Le maçon est sur le mur. Où se trouve le maçon? Il est sur le mur. Très bien. Prenez la correction, les élèves. Bien, dernière activité d'évaluation pour voir si vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'on vous demande? Complète avec un complément circonstanciel de lieu. Là, on vous a donné des phrases. À vous de compléter, libre choix, avec vos compléments circonstanciels de lieu. Je répète, complète avec un complément circonstanciel de lieu. Le groupe de mots dont vous allez compléter doit être un complément circonstanciel de lieu. Saïd range ses cahiers. À vous de trouver le complément circonstanciel de lieu. Simane achète des poissons. Mander lit son livre. Je répète les phrases. Saïd range ses cahiers. Simane achète des poissons. Mander lit son livre. Allez, je vous laisse travailler quelques minutes sur votre cahier de grammaire. Les élèves, on va prendre la correction ensemble. Voilà les propositions que vous avez suggérées. On en a pris quelques-unes, comme on ne pouvait pas mentionner toutes les réponses des élèves.
Je veux lire vos réponses. Saïd range ses cahiers dans son cartable. Alors, le mot qui est écrit, le groupe de mots écrit en rouge, c'est le complément circonstanciel de lu. Saïd range ses cahiers où ? Dans son cartable. Simane achète des poissons au marché Riyad. Simane achète des poissons où ? Au marché Riyad. Le complément circonstanciel de lieu est écrit en rouge. Mander lit son livre dans sa chambre. Mander lit son livre où ? Dans sa chambre. Bien, les élèves qui ont fait des erreurs, prenez la correction pour les autres. Bravo. Bien, les élèves, on a fini pour la leçon du jour. En attendant de se retrouver pour une nouvelle séance, je vous souhaite de passer une agréable journée.